بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيخ عيسى الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, c'est avec un grand plaisir qu'il nous retrouve après qu'il nous tienne un petit coupure et pour raison qu'il m'en cherche à Maurice, une semaine qui vient d'écouler et nous tient engagé avec eux devant le workshop. Alors, nous pouvons reprendre nos sessions pour payer, inshallah, subhanahu wa ta'ala, nos explications de Surah Al-Kahf. Donc, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions lui pour tout ce bon faveur et alhamdulillah. Nous reconnaissons envers nos créateurs suprêmes, c'est lui qui, pour sa permission et ce lot, lui peut accorder nous l'occasion pour nous apprendre concernant ce kalam, concernant ce livre. Et, alhamdulillah, Surah Kahf nous finit arrive à ayat numéro 17, qui nous peut étudier ce matin, 17 et 18, Inch'Allahu, Inch'Allahu Ta'ala. Et ce soir, nous informons que les leçons, le mariage, d'après l'islam, peut reprendre. Et nous charité pour une cause pareille et avec une réunion mensuelle qui finit là dans mercredi après Isha, nous pas fin capable faire les sons là et inshallah les sons le mariage après l'islam pour reprendre ce soir live le pas al huda wa nur trust fan inshallah ta'ala. Alors surah Kahf ayat numéro 17, Allah subhanahu wa ta'ala infini informe nous qu'il va rentrer dans sa caverne là, dans sa cave là, sa grotte là, et je finis refuge là-bas, je n'ai cachette plutôt là-bas, je ne sauvé depuis cette communauté, depuis cet endroit, depuis ça les rois que j'espère rester là, sa place que j'espère rester là, l'effet qui m'a nati trempé dans l'idolâtrie, dans shirk. Alors ça m'a jeune là, je ne trouvais qu'il s'allait pas correct, je suis le tawhid, je ne sauvé, et je ne retiens je. Et je ne dissocie eux de cet endroit-là pour Al-Ado, Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit pour continuer Ado, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une grande preuve en lui-même que quand un musulman, il peut gagner une difficulté pour pratiquer ce dîn dans une place, s'il a la possibilité pour faire hijra, pour quitter sa place-là, pour rendre une autre meilleure place, côté plus convenable, et les plus appropriés et les plus faciles pour pratiquer ce din, les bien bousés là-bas. Et le jour du Qiyama, nous ne pouvons avoir aucun prétexte devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle l'ayat Coran, il dit, Alam takun ardullahi wasi'a, fatuhajiru fiha. Est-ce qu'il a été Allah pratique bien grand et spacieux, et je ne suis capable de faire hijra vers ça, comme on l'a mentionné dans la surah, An-Nisa. Alors, l'a été Allah, il est bien grand, il est bien vaste. Il y a beaucoup de place, nous capables de pratiquer nos dînes facilement, si nous capables de bouger, nous allons dans cette place-là, nous allons rester là-bas pour nous capables de pratiquer nos dînes. Qu'il y soit dans Maurice, qu'il y soit si nous ne sommes pas capables dans Maurice demain, si capable de nous quitter, nous allons dans une autre place pour nous pas capables de pratiquer nos dînes, nous pouvons obliger à faire. Alors là, nous pouvons causer un contexte mauricien. Si vous trouvez dans cet endroit-là, il est difficile, il y a un masjid qui est le sunna, Ahlul Bida rempli, et on a facilité de bouger à l'autre endroit. Et là-bas, il y a un masjid, le sunna, et Daw al-Salafiya. Mais oubliez qu'il était allé. Donc, nous venons à l'ayat 17. Allah lui compte, il nous relate nous. Maintenant, qui peut arriver à l'intérieur de sa grotte-là, de sa caverne-là, sa cave-là, Kodban, ça va un groupe jeune-là, avec les chiens, il rentre là-dedans. Donc, il dit, dans l'ayat 17, وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ. Et, ô Muhammad, quand tu trouves soleil levé, الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ. Quand le soleil peut lever, tazawaru an kahfihim. Qui est arrivé? Le soleil-là, il contourne cette grotte. C'est-à-dire, façon, sa position qui grotte-là, tu étais. Quand le soleil-là est levé, il ne tape pas pleinement l'eau. Ce qui fait pour ne pas affecter les cours. Parce que vous venez plus devant, vous avez dormi dans la caverne-là, mais seulement comme si vous n'avez pas dormi, vous avez ouvert. Alors, vous avez endormi d'une façon. Quand Gedzot et Zotizia sont ouverts. Alors, Tazawaru an kafihim, Vatel Yamin. Alors, ça, soleil-là, il contourne
vers la droite. C'est-à-dire, il contourne cette carafe, cette grotte, et il prend droite. C'est-à-dire, grotte là, tu positionnes d'une façon qui, quand le soleil peut lever, alors, comme le contraire, il va aller venir plus devant, la terre, et comment il va venir, la terre, il part tourner, c'est le soleil qui bouge, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. C'est le soleil qui tourne autour de la terre, et ça, c'est une preuve concrète dans le Coran, comme Maman Moufassir dit, qui c'est le soleil qui tourne autour de la terre, et non pas qui la terre y tourne. Alors, si vous venez, Inch'Allah, plus devant. Alors, ça, le soleil-là, quand il peut lever, il incline, il contourne cette grotte, afin que ça, l'odeur soleil, ça chaleur, et nous comprenons que le soleil levé le matin, il est bien chaud, il y a une chaleur ardente, alors, il pas tape les autres directement, parce que je suis endormi maintenant. Alors, s'il tape les autres, ça peut affecter les autres l'écho, parce qu'il y a là, tu es endormi les autres. تزاوروا ان كافهم ذات اليمين واذا غربت et quand le soleil couché c'est pareil تقرضهم ذات الشمال quand le soleil peut coucher alors il incline l'os gauche pour lui pas taper l'obana là il pas taper l'obana dans la direction quand il peut coucher pour afin qu'il n'y pas affecté l'écho il pas affecté l'écho donc je peux gagner le soleil je peux gagner la quantité qui peut suffire parce que comment le contrer bien dans le soleil il y a une vitamine qui est bon pour l'écho. Alors, il est bon pour l'écho, pour épanouissement de l'écho, pour préservation de l'écho, mais pas tout l'ordre du soleil. Pas tout l'ordre du soleil. Alors, si tu peux gagner une quantité de soleil qui pas tape directement les œufs et pas tape pleinement les œufs, qu'il soit quand il est levé le matin, qu'il soit quand il y a le coucher dans l'après-midi, alors tu peux gagner une quantité que tu peux gagner, mais Allah, tu peux faire une façon qui ça, soleil là, grotte là, façon de se positionner, le soleil quand tu peux lever, pas tu peux gagner maintenant pleinement. Et quand il ne peut pas le pousser aussi, il ne peut pas le gagner maintenant pleinement. Wahum fi fajwatim minhu. Et ben là, tu es à l'intérieur de sa grotte là. C'est-à-dire, dans grotte là, une façon qui ni se tient dans ce commencement, sur l'entrée, ni dans ce banbo. Non, le parti comme ça, il se tient dans une façon au milieu qui est bien espacée. Wahum fi fajwatim minhu. Alors, grotte là, par sa ayat Quran, nous comprend, il n'y a pas une caverne, une grotte qui, comment dire, est serrée. Moins espacieux, non, l'été bien espacieux, afin qu'il va naître au milieu, presque au milieu de grotte là, comme ça, quand le soleil est levé, gagne l'ordre du soleil, mais il pas tape les autres en plein, et quand le soleil est couché, gagne l'ordre du soleil, mais c'est mal, il pas tape les autres en plein, alors les autres, il a une place bien sécurité. Tout ça, là, c'est une planification, Allah, subhanahu wa ta'ala, pour protéger ban là, pour protéger ban là. Alors, nous revient, wa ta'ala shamsa idha tala'at, te trouve quand le soleil est levé, clair, تزاور ان كهفهم ذات اليمين ça soleil là contourne une façon elle lève d'une façon qu'il pas tape pleinement l'eau ça groupe des bandes jeunes et autres lichens qui tient à l'intérieur de ça caverne là et comme ça même quand il y a le coucher واذا غربت تقرضهم ذات الشمال et quand il y a le coucher soleil là il prend une direction gauche c'est-à-dire il pas tape l'eau autres une façon directement afin qu'il est affecté maintenant وهم في فجوه منه et malgré qu'ils ont une position, quand le soleil est levé, pas gagné les autres, quand le soleil est couché, pas gagné les autres, malgré ça, ils ont une place, une quantité de place qui est bien suffit pour eux. Wahum fi fajwati minhu. Dhalika min ayatillah. Ensuite, dire, Allah dit, ça, c'est un signe, Allah. Allah ne fait autre rentre dans sa grotte là. Une grotte bien spacieuse qui lui pour suffit pour ban là. Et ça, qu'elle pour gagner sa place pour lui dormir. Et quand le soleil est levé, il pas gagné les autres. Quand le soleil est couché, il n'y a pas gagné directement pour ne pas affecter l'écho, mais il gagne suffisamment de vitamines qui sont supposées gagner depuis le soleil. Alors, il gagne suffisamment pour être capable pour que l'écho soit préservé. Donc, tout ça, Allah peut dire, c'est un signe Allah, c'est un kalamat Allah subhanahu wa ta'ala qui est fait pour sa bonne jeune qui a le tueur refuse dans sa grotte-là. Ensuite, il dit, « Man yahdi Allahu » فهو المهتد. C'est lui qui a la guide lui, c'est lui le guidé. Alors nous faisons route guidance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça man jeune là, c'est man jeune qui Allah ti guide man zene, zone sacrifier zone famille, zone l'endroit, zone place, zone la case. Peut-être et là tu peux vivre dans tout ce luxe, tout ce confort de ça à l'époque là, avec tout aisance, tout facilité. Peut-être zone ban famille, c'est ban grand capitaliste dans ça à l'époque là. Alors, Allah guide zut. Quand Allah guide quiqu'un, wa man yahdi Allahu fa huwa al-muhtad. C'est lui qui est le guidé.
Alors, nous faisons faire effort pour chercher guidance, nous chercher guidance, nous chercher connaissance, nous apprendre nous dire, Allah pour guider nous, Allah pour donner nous tawfiq, Allah pour maintenir nous l'eau, la guidance, as-sirat al-mustaqim. Parce que celui qui a l'âne guide lui, fa huwa al-muhtad. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Wa man yudlil. Et celui qui a l'âne égaré, celui qui a l'âne égaré, falan tajid lahu waliyan murshida. Alors, tu pas pour trouver un protecteur ni un guide pour lui. C'est-à-dire, personne pas capable de protéger toi, personne pas capable de guider toi si Allah est égaré toi. Et ça, c'est un kitso qui s'agit vendredi nous. Nous t'en allons dans khutbatul haja. Man yahdihi allahu falamudilla la, wa man yudlil falahadiya la. C'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala guide, pena personne qui est capable d'égaler. C'est lui qui Allah égaler, pena personne qui est capable de guider. Wa man yudlil falantajida lahu waliyam murshida. C'est lui qui Allah égaler, pas ina, ni protecteur et ni guide pour sa qualité de monde. Donc nous sommes capables de faire tous les efforts pour guider, mais si Allah n'a pas décrété, pas écrit dans ce taqdir, pour lui venir pour lui guider, il n'est pas pour lui venir pour lui guider. Si Allah n'a pas fini écrit dans ce taqdir, pour lui n'a pas venir pour lui, ben, Allah n'a écrit dans ce taqdir, pour lui venir pour lui égarer, pas une personne qui est capable de guider ça du monde. Alors ça c'est l'explication de ça ayat Qur'an. Et à la fin de ça ayat là, chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, il dit, إذا طلعت تزاور وإذا غربت تقرضهم كالسلي لبي طلعت وإذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال جسابوت لا دليل على أن الشمس هي التي تدور هي التي تتحرك جسات بروف كالسلي c'est lui qui tourne c'est lui qui bouge وهي التي يتحركها بتحركها يكون الطلوع والغروب. Et par ce mouvement qui est un lever de soleil, qui est un coucher de soleil. Par mouvement soleil, qui est un lever de soleil, qui est un coucher du soleil. خلافا لما يقوله الناس, contrairement à ce qui m'a dit mon dieu, اليوم de nos jours, من أن الذي يدور هو الأرض, qui c'est lui qui tourne, c'est la terre. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Non, il n'est pas vrai ça. Parce que ayat Quran, nous ne pouvons pas démentir ayat Quran. Ayat Quran, il est clair, qui soleil qui bouge. Soleil qui bougeait, c'est soleil qui tournait. Et الذي هو يدور هو الأرض. وأما الشمس فهي ثابتة. Alors tandis qu'il va de nos jours, les scientifiques, ils ont dit que non, c'est la terre qui tourne autour de lui-même. C'est-à-dire, il pivote le lui-même, il tournait comme ça dans sa façon-là. Alors soleil il est là, alors là qu'il y a la journée et la nuit, il y a lever de soleil, coucher du soleil, ça il faut. Basant le royaume de Coran. Nous, pas quoi ce qui scientifique dire, ce qui la science dire, parce que de même, à la science de bande donnée, nous croyons ce qui ayat Coran dire. Alors, ayat Coran qui trouve dans Surah Kahf, وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ c'est soleil qui bouge. Ce soleil qui fait mouvement et non plus comme c'est un dia de nos jours. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ça, tout ça, un événement là. Mana qui t'est sauvé, vient dans sa grotte là. Allah endormis eux. Et 300 et quelques années. Ensuite, soleil levé, pas gain eux plein. Soleil couché, pas gain eux pleinement. Tout ça là, c'est un signe Allah. Subhanahu wa ta'ala. Zalika min ayatillah. Alors, zalika. Le pronom indicatif. Zalika. Et ya'oud ila alaha ula il fitia. Puis fait référence à Saban. Jeune là. Et ça, Allah veut dire, ça c'est un signe Allah. Sorti de sa main jeune là, des autres endroits, rentre dans sa grotte là, et Allah subhanahu wa ta'ala, l'infacilite eux pour trouver une grotte, une caverne, qui est appropriée pour eux, afin qu'ils n'aient pas subi aucun lardier soleil qui pourrait impacter les autres, la santé, les autres, les corps. Alors tout ça là, c'est un signe Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un karama. C'est pas un mu'adiza, parce que c'est pas un prophète, là, pas parce que prophète qui vient mu'adiza, c'est un karama. Karama, c'est ce qu'a l'air. Allah qui a fait un karamat, le n'importe qui s'en a, un wali, parmi ce wali. Pas un wali shaitan, non. Un wali Allah, un qui vit dans l'obéissance Allah. Allah qui a fait un karamat, être bien veillé, arriver le salam. Et donc, ça, c'est tafsir de sa ayat là. Et le masala important en coquina de sa ayat là, c'est la guidance. C'est la guidance. Alors, فلن ومن يدلل فلن ومن يهدي الله هو المهتد.
C'est lui qui a la guide-li, puis une personne qui est capable d'égaler. Et pour qu'il nous aide guidé, nous devons suivre une guidance. Pour nous gagner une guidance, nous devons suivre une guidance. Il y a décalé guidance. Une guidance qui appelle Bayan, Irshad, et une qui appelle Taufir. Nous devons suivre Bayan et Irshad pour nous gagner Taufir. Nous devons prendre le chemin qui est besoin pour atteindre nous l'objectif, nous destination finale. Par exemple, si un dimoun, il prend bis pour lui, il parie pour lui. S'il prend bis rosil, il parie rosil. S'il prend, bis maïbou, il prend le maïbou. Il va quand prendre bis maïbou, il explique parie pour lui. Alors, nous devons suivre sa guidance là. Nous devons suivre guidance qui est besoin pour nous gagner, atteindre nous l'objectif. Donc, pour nous gagner, djennet, taufir, hidayat taufik, nous gagnons le sali, nous devons suivre Coran et Sunna. Nous ne sommes pas capables de passer le Coran et Sunna, ensuite nous avons gagné Hidayat et Tawfir. Alors, man yahdi Allah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Et celui qui a la guide égale, tu n'as pas pour trouver aucun protecteur ni aucun guide pour lui. Alors, tout ça, c'est Qadarullah. Qui s'en a pour être guidé, finit écrit dans Qadar. Qui s'en a pour être égaré, finit écrit dans Qadar. Alors ça c'est nos premiers ayats pour ce matin. Nos deuxième ayat, nous passons à nos deuxième ayat, ayat numéro 18. Elle continue à nous, halat, situation des savants jeunes qui tirent dans sa caverne là. Alors il dit, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا. Quand tu look dans grotte là, dans caverne là, dans cave là, tu vous crois maintenant éveillé. Tu vous crois maintenant éveillé. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا. Vous êtes éveillé. Wahum rukud. Wahum rukudun. Mais en vérité, je t'y allongé. Watahsabuhum aqadan. Éveillé. Alors, qu'ils ont fait dormi. Rukud veut dire qu'ils ont fait dormi. Quand tu bougez, tu ne peux pas faire dormi. Et en vérité, ils ont fait dormi. Dans quelle façon ils peuvent venir, Inch'Allah ou Ta'ala? Comment ils ont fait dormi? Wahum rukud. Wanukallibuhum dhat al-yamin. Wadhat al-shimal. Un coup, quand tu bougez, tu es de l'autre côté droite. Un coup quand on est de l'autre côté gauche. Donc, un coup quand on est dans la grotte là, nous vous trouvons allongé de l'autre côté droite. Quand nous regrettons, nous vous trouvons de l'autre côté gauche. Allah se fait tout nous autres. Créons. Tandis qu'ils ont les chiens, ils tirent dans direction la bouche, l'entrée grotte là. Comme on connaît très bien, les chiens assisés et ils tirent sur la patte dans direction rentrer l'entrée grotte là comme si il peut suivre Iban là et basant le cet intercès les chiens là pas chiant dormi lui à l'angoli vivant de toute façon lui comment dire mettez comme un gardien chien des gardes comment nous dire lui tient là il tient sur de la patte comme ça lui peut guide dans direction l'entrée du grotte mahou bil wasid لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا الله جيا. Là où tu t'en as été alayhim, si tu t'y guides, tu t'y trouves, là où tu t'en as été alayhim, là où l'aïta minhum firara, tu t'y vous sauver. Ça c'est même si Allah peut dire à nous, si tu guides, tu te sauver. Wa la mouli'at minhum ru'ba, et tu les kéa, tu pour remplir avec de la frayeur. Qui fait, pourquoi? Il vous venez dans ta tafsir. Alors ça c'est traduction. Traduction, Allah peut dire, wa tahsabuhum aqavan wa hum ruqud. Quand nous guides, nous vous croyons qu'ils sont éveillés, mais en vérité, Zepedomi, wanukallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal. Et la fois nous, via Zep, le côté droit, et la fois le côté gauche, wakalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, et tandis que les chiens, tu peux assiser, l'étal se dit la patte devant, dans direction wal wasid, dans direction l'entrée grotte là. Comme si les PC avaient, attention, qui can vini, les pou, avertis ban là, et ou soit les pou attaque ban là. Là où tu as été alayhim. Maintenant, Allah peut dire si tu guides eux, ô Muhammad, et n'importe qui s'en a été venu, tu guides eux, là où tu as été minhum firara. Je t'y pour sauver. Ou la mouli at minhum ra'uba, et je t'y pour tu peux remplir avec la frayeur qui fait aller pour venir, inshallah. Alors, nous venons à ce tafsir. Allah peut dire nous, wa tahsabuhum aiqava. Tahsabuhu, ici, il va trouver. Tant que vous trouvez eux, éveillé ou à hum rukoud. Mais en vérité, vous êtes endormi. Qui fait ça? Qui fait ça? Vous êtes endormi, comment nous, quand vous êtes éveillé? Allah, tu dis, vous êtes allongé, vous êtes lié, tu ouvres. Comme si vous êtes guetté. Alors, si un démon est allongé, et il peut guetter comme ça, mais vous gagnez pire quand vous êtes dans une situation pareille. À cause de ça, Allah peut dire, subhanahu wa ta'ala, que si tu guettes, tu peux sauver. Qui fait ça?
Parce que vous êtes dormi et en vérité vous êtes éveillé et en vérité vous êtes dormi. Qui fait? Parce que vous êtes légers, tu ouvert. Alors vous êtes pour sauver. Ensuite, il veut dire wa nuqallibuhum dhat al yamin wa dhat al shimal. Maintenant, on a dit ici il y a une preuve qui un djimoun quand il dormi, il pas connu le mouvement qu'il fait. Un djimoun quand il dormi, il pas connu le mouvement qu'il fait. Quand il sort dans droite, il rentre dans gauche. Quand il sort dans gauche, il rentre dans droite. Quand il a le soleil doux. Et la fois, il y a l'homme et le sauvant qui est interdit. Alors, ça, c'est une preuve qui, un na'im, il n'est pas fait une action par lui-même. Il n'est pas fait une action par sa volonté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait sa bonne action-là. Parce qu'ici, Allah peut dire, je peux dormir, mais seulement je peux tourner à droite et à gauche. Et là, je disais, ouvert. Qui fait, tu peux tourner dans droite et à fois, et dans gauche et à fois. Alors, combien de bananes? 300 et quelques ans, je reste dans sa grotte-là. Si je dormi dans une seule position, la terre, pour faire l'effet, l'eau, les corps, et les poumons, les autres, les corps. Comme dans, la bête saut, quand du monde, il reste l'eau, lili dans une seule position, c'est tout le monde qui est autrement capable, je gagne une bête saut. Il commence à manger la peau, il commence à faire une close, il commence à faire une, il commence à abîmer la peau. Alors, c'est pour sa raison-là. Un coup dans droite, un coup dans gauche. Parce qu'il 300 et quelques ans, 300 ans et quelques au fin reste dans sa position là, dans sa place là. Alors, qui hikma, qui sagesse tient là? Ben, on l'a dit, afin qu'il la terre pas mange sa partie qui t'y peut gagner contact avec la terre. Sa partie l'écho qui t'y peut gagner contact avec la terre. Alors, une fois dans droite, une fois dans gauche. Et là, je dis non, afin qu'il descend balancé dans l'écho. Tout bonne raison là, il est correct. Parce que quand nous dormons d'un seul côté, nous avons 10 ans, il y a une tendance à qui mille ça côté là. Alors, dans le côté droit. Ensuite, quand nous venons dans le côté gauche, alors, 10 ans là, il saute là-bas. Donc, dans sa façon là, il y a une balance dans nos systèmes sanguins, dans nos l'écho. Parce qu'il 10 ans dans les coins du monde, il n'est pas sa quantité là. Si, il n'est pas sa quantité là. Une fois qu'il est dévide de ce 10 ans là, il mou. Alors, peu importe. Ça, c'est une sagesse pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux faire tourner en droite, tourner en gauche, pour dormir, pour allonger dans sa façon-là. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ Et je te lis chien, comme si, et basant le tafsir, Cheikh Othaymin dit, comme si il n'est pas fait dormir. Il est éveillé. Allah n'a pas fait dormir. Allah a connu hier, il n'est pas fait dormir. Alors, il est assisé, comme un chien normalement assisé. Il pleut sur des lapates, il a assisé, et l'ital se dit la patte derrière, et l'ital se dit la patte devant, comme ça, par devant, et il pégait dans direction l'entrée du grotte. Al-Wasid, c'est l'entrée grotte là. Al-Wasid, c'est l'entrée du grotte. Al-Wasid. Lawit tala'ta alayhim lawallayta minhum firara. Alors, basant le samas ala la, l'ichien, Cheikh Othaymin, il dit, pour beaucoup de ce qu'il dit, وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة. Dans sa ayat Qur'an, il a preuve qui gagne droit et a un chien pour gardiennage. C'est moi, nous prenons le chien pour gardiennage, nous la cour, nous gagne droit, mais les bisins pas une place qui, comme on dit, est en plein centre-ville, en plein le quai, un endroit, côté une habitation, on a beaucoup du monde. Il est plutôt dans une place retirée. C'est un jour, il peut rester dans une place retirée. Créer loin de la civilisation, hein, d'un pas se retirer, là, il est capable de prendre un chien pour gardien sur la case, et ben, on a même une condition. Les gardiens à la case, ils parlent de dormir, le lit, le sofa, le canapé dans la case, ou soit les vins tchateau, ou embrasser, ou maïli, ou dormir, les maïli, ou dormir, non. Ou soit les prends baba, les mettre dans ce godi, non, il pas ça. Il faisait pas un accès avec nous à la case, parce qu'il y a une impureté avec lui. Et, hirasatul adimin, il y a jawaz, il tira dans le câble, il hirasa, Hirasatul adimin, même pour gardien manjimun, et ensuite il dit, Hirasatul al-mashiya, faqadja adbiya sunna, pour gardien man patura, ça est un sunna, hadith clé à l'ola, wa hirasatul harthi, pour gardien man plantation, ça c'est un sunna l'ola, et tandis qu'il gardien la case, le prophète, Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymin, il dit, si gardien plantation, les animaux, gagne droit pour les chiens, mais pour gardien du monde, si gagne droit. Pour gardien du monde, mais avec bonnes conditions. Attention, on peut dire, Yahya Boudin, mais il y a un roi, il y a un non. On peut pas dire ça, là, parce qu'il y en a du monde, wallahi l'avim. On a besoin de sa carte du monde, là. Il prend un bout de parole,
et les quittent un bout de parole. Nous dire les chiens haram pas qu'un droit soigné. Haram pas qu'un droit soigné. Celui qui soigne les chiens sans aucune raison valable, tous les jours, un qirat de bonnes actions diminuées dans ce groupe, une bonne action. Un qirat, comment dire, montaille au houd. Sa quantité bon récompense, allez, mon pan dire qu'il y a un droit soigné. Mais, il y a une exception. Pour patiras, pour gardien des animaux, patiras, plantation, ça gagne un droit, il y a un hadith clair là. C'est moi, les résidents plantation, les résidents, les chiens patiras. Maintenant, mon ulama dit, si pour prendre les chiens, si il y a un droit soigné les chiens pour gardien des animaux, mais il y a un droit soigné les chiens pour gardien, dis moi, basant le sa ayat, Quran là, alors, c'est moi, avec une condition. Une condition que vous venez mentionner, faudrait que ça la case, dans Ifta, bon, Ifta, nous t'y réponds, nous là, faudrait que ça la case, sa place, que ça dit moun là, peut rester, l'y pas en plein centre-ville. Côté n'a dit moun, côté volé, pas bien accès. Claire, alors, faudrait qu'il y ait une place retirée. Et, deuxième condition, faudrait que ça l'y ait pas bien accès ou la case. Il y a une place spéciale pour lui, quand si volé, peut rentrer, il y a une place, ici, qu'il est, il est capable d'avertir. Et non plus, quand il rentre dans la case, il vient en bras sous, il monte là, la cousine, il y a ses ligues, ou madame, peut plus. Comment dire, Beigan, ou soit déplime poule, alors sinon, il n'y a pas ça, ou soit il peut monter l'eau, il peut dormir, il n'y a pas quand on vient, vous allez avancer là où pour dormir, non. Ça, c'est haram, pas gagné droit. Ensuite, Allah dit, la ouït tala ata alayhim la wallayta minhum firara. Si tu te guides, au Mohammed, position qu'ils ont été, façon qu'ils ont pu dormir, clair, je te lisais ouvert, gros ouvert, je te lisais gros ouvert. Et je suis pas allongé au droit, et d'un coup, le gosse. C'est-à-dire, vous venez contre vous, le droit, le gosse. Ça, mon gosse, hein. Caméra reverse. Ensuite, si vous venez contre vous, le droit. Alors, tu vois, si vous gagnez un pays, qui fait? Parce qu'ils ont pu bouger, ils ont pu dormir, hein, ils ont allongé, mais ils ont dit, gros ouvert. Et là, chez Rosemine, attire l'attention, il dit, guide bien, Allah dit, le droit et gosse. Parce que, si nous dormons, soit nous dormons le droit, soit nous dormons le gosse. Mais il y a dormi le droit. Mais il domine le droit, mais il a dit, on n'est pas fatigué, il verrait, il domine le gosse. Et il a le droit de domine le pas les dos. Mais ça va pas de mentionner les dos là-dedans et pas de mentionner vente. Et vente, ça c'est, les brodis n'ont PC parce que c'est façon de dormir des habitants l'enfer. Domine le vente, c'est façon de dormir des habitants l'enfer, ils ont pris l'once dans ça, façon de dormir dans l'enfer, mais ils ont pris l'once de vente. Alors, donc, si nous avons dormi, soit nous domine le droit, si nous sommes fatigués, nous avons dormi le gosse et les dos aussi. Mais ici, il mentionne le droit et le gosse. Et Allah peut dire, si toi tu trouves, à cause de allongé, tu peux dormir, mais c'est pas de l'idée gros ouvert, toi tu peux sauver. Toi tu peux sauver parce que tu es d'une façon effrayante, comment dire. Et ça c'est Hikmat Allah qui fait, je vais sauver. Je vais sauver les bisous de peuple, je vais une cachette ici. Assez, ben, on a pérodé. Si arrivé maintenant tu viens là, Allah ne fait d'une façon, quand tu es d'une façon, tu peux gagner, tu peux sauver. Tu sais comment Allah quand préserve un djimoun. Il y a qui, comment les préserver? Si Allah décide pour préserver un djoun, père, il n'y a personne qui a fait un djitour. Basant le hadith de Rasulullah, qui dit à Ibn Abbas, Ihfadillah yahfadka. Préserve la loi Allah, là où préserve-toi. Ça m'a dit, Zen Islam, il préserve la loi Allah pour sauver les bimans mouchriques, les bimans adorateurs, idoles, zonmin, dans sa cave là, pour adorer Allah, Allah préserve-toi. Pourquoi la promesse Allah subhanahu wa ta'ala? Préserve Allah. Allah préserve toi. Et vendredi passé, nous tu causais là dans mon sida. Quand nous tu causes, bah, une solution coranique pour combattre la drogue. Claire, beaucoup de personnes n'ont même pas de miracle, c'est pas qui l'ont inventé, la roue n'a mené. Non. Solution là qui trouve dans le Coran. Moi, pas qu'un invente, on dit au Coran. Nous avons une solution dans le Coran. Nous avons trois solutions. Claire, parmi nous, disons préserve la loi Allah. Con Allah, tu vous préserve la loi Allah. Préserve Allah en prenant concernant Allah, qui est Allah content, qui n'est pas content. Développe dans toi la prière pour Allah. Allah pour préserver ta compte. Vendez la drogue, contre la drogue, mets de volonté dans toi pour appuyer mission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, get comment Allah préserve sa manjane. Oh manjane, tiens les sons. Préserve la loi Allah, si y a tout dans ton zénesse, pour te vivre un bon vieillesse. Écoute bien. Préserve la loi Allah, c'est là, pour te vivre un bon vieillesse. C'est lui qui ne connaît Allah d'un moment de facilité, Allah pour connaître d'un moment des difficultés. Si tu ne connais Allah dans ton zénesse, créer, et les pas contre toi, jamais tu trop dans la vie. Créer, rétracter, sans la vie, tout de suite, Allah pour contempler les devant, quand tu peux faire face à la vie. C'est parce que nous, l'école, il peut affaiblir. Nous, nos organes, il peut, sur la fosse, peut diminuer. Il n'est plus, il a sa capacité de fonctionnement, comme elle tient là, quand nous, tu plus jeune. Alors, ce qui est de jeune là, comment Allah nous préserve? Et Allah nous fait d'une façon, c'est lui qui tire une attaque zut. C'est lui qui tire une route zut. Comment il tire là-bas? Et la halichien là, qui t'y met comme un gardien. Deuxième façon qu'Allah ne fait, une gardienne, une endormie,
Mais une garde de l'Igée ouverte. Une garde de l'Igée ouverte. Alors, je suis pour sauver avec la prière remplie dans le cœur. Claire? Parce que pour personne n'a pas causé avec vous, comme Hachem Muhammad ibn Salih al-Rasim, il dit Hatta la yuhawila ahadun an yadnuwa minhum, afin que personne n'a pas causé avec Banna. Donc, ça c'est une première leçon principale qui nous tirait depuis sa ayat Qur'an, mon frère Ivan Seyah, c'est préserve la loi Allah. Allah parle de sa promesse, Allah vous préserve, pour préserver. Voilà, ça c'était nous, explication de deux versets pour ce matin. Alors, nous remercions pour votre attention. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doa qu'il fait nous profiter avec tafsir de sa deux versets là. Et alors, comment vous avez trouvé, c'est un très joli surah qui, à cause de ça, lui recommandé pour lire ça vendredi matin jusqu'à avant soleil couché. Jusqu'à avant soleil couché. Il y a beaucoup de leçons là-dedans, surtout pour nos bonnes jeunes. Surtout pour nos bonnes jeunes. Et surtout pour les bonnes jeunes qui viennent affectés par. Pas la drogue, pas la drogue. Alors, leçon principale. Qui leçon qui est un jeune qui finit affecté par la drogue, lui tirer depuis ça? C'est tout ça, deuxième ayat Quran. Depuis ça, deuxième verset de ce matin-là. C'est. Et quand tu n'es pas capable, tu peux tenter par droguer, mensonge la drogue, quitte sa place là, elle donne une place. Quitte sa place là, elle donne une place. Ça m'a un jeune là. Pas tu peux capable, reste pas. Et puis, il y a un plus grand péché qui chire. Il y a du monde, excuse-moi, vous dire avec toute francise. Il y a du monde, et d'ailleurs, il y a un dit à moi, viens descendre, sauter, viens l'eau, mais descendre, viens le culteur. Viens faire d'avoir le culteur. Ok. Clair? Alors, mes solutions, est-ce que c'est ça, c'est une solution, ça? C'est comme ça que Rasulullah, tu peux faire d'avoir, descendre, manifestation, etc., etc. Est-ce qu'il est islamique, ça, qui m'a nous la main, dialogue là? C'est la première question qui nous a connu. Donc, si nous conseillons, man conseil qui est dans le Coran, dans le Sunna, les brûlés disent nous, l'un tadillu abada, ma intabassatum bihima. Jamais vous pouvez garer si vous cramponnez avec ça dès là, fermement. Donc, nous croyons là-dedans. Nous croyons là-dedans. Quand ça, l'endroit-là, il est rempli avec drogué, il est rempli avec mensonge à la drogue, clair? Et aujourd'hui, il n'y a aucun endroit, excepté qu'il y a mensonge à la drogue, drogué. Si il y a mensonge à la drogue, il y a drogué. Mais sinon, il y a un endroit qui est encore correct. Il y a une place qui est capable de rester. Qui nous capable de protéger sa main jeune là. Alors, c'est bizarre quitter à l'autre endroit, c'est bizarre quitter le pays, à l'autre pays, à l'Arabie Saoudite, à la Makkah, à la Medina, ou soit à l'autre pays, que nous capables de pratiquer l'islam, nous voulons aller sa main qui s'osa. Nous bizarre faire aller. Nous bizarre faire aller. Ça, c'est une solution coranique. Ça, c'est une solution coranique. Donc, leçon principale là-dedans, c'est à tout nous main jeune. C'est à tout nous main jeune. Si tu n'es pas capable de pratiquer ton dîme dans une place, bouger à l'autre place. Et tu gagnes grande récompense dans l'Union. Et aussi dans l'akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul Diano, il y a cette catégorie du monde qui bougain refuse entre l'ombrage, trône Allah les jours du Qiyama, zouki pas pour aucun l'ombrage, excepté l'ombrage, trône Allah subhanahu wa ta'ala, parmi la dalija shabun nasha'a fi ibadatillah, un jeune qui vient grandir dans l'obéissance à Allah. Donc, grandir dans l'obéissance à Allah, clair, pour Allah protéger toi, ihfadillah, préserve Allah, yahfad ka Allah vous préserve toi après, dans toute la santé, dans tous les corps, dans tes enfants, dans tes richesses, dans ton madame, dans toute la case, dans toutes tes affaires, Allah pour préserver. Donc, grandis dans l'obéissance à Allah, retourne vers Masjid, tu peux encore consommer la drogue, ok, pas de problème, viens vers Masjid, viens nous là pour aide-toi, pour conseiller-toi, pour encadrer-toi, pour canaliser-toi, pour montrer-toi gravité, consomme la drogue. Meilleure solution, c'est trap pour l'année sunna. Meilleure solution, c'est pas méthadone, c'est pas Al-Namansan, désintoxication. Tout ça là, il y a des moyens qui aident toi, mais plus grand moyen, c'est moyen Coran et Sunna. Moyen Coran et Sunna, c'est que Allah et son Rasoul financent nous. Voilà, ça c'est une explication pour ce matin. Qu'Allah découle la compréhension de ce qui nous vient écouter dans nos lecteurs. Nous rejoignons Inch'Allah ce soir, après la Salat al-Isha, à partir de 21h15 à 21h20, plutôt environ 21h20, pour nous laissons le mariage d'après l'islam. Et sinon, nous rejoignons la semaine prochaine, Inch'Allah. Ta'ala, si pas il a l'examen SC. M'aurait dire, si pas il a l'examen SC, dépend ça que il va pareil, il dépend qui filiale il fin prend. Alors, si mon bon enfant, puis il a l'examen SC dans sa lia là, mes crédits, alors nous vous faire les sons, sinon nous pas vous faire les sons par permission Allah subhanahu wa ta'ala, nous faire l'autre mes crédits, Inch'Allah, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته